Oh yeah, boys. Vous voyez pourquoi ils appellent ça l'Augusta de l'Australie? Non mais vous avez vu ce trou un peu sérieux quoi? Non mais quelle merveille! Quelle merveille! Allez, par 5, c'est Babat et puis ensuite bois 3 ou Babat ou peut-être layup. À voir. Ok. Il me reste 200 mètres au drapeau. Bon, on attaque, hein. On va pas se faire chier. Hein. Fuck. Allez, tourne à gauche. Fairway. Fairway. Elle est longue, mais elle était bien tapée. J'ai bien aimé celle-là. Allez, let's go. Bon, je sais pas trop comment je vais filmer. Moi, je suis genre. Je suis là en bas dans la pente. Bon, je vais laisser filmer, on va voir. Peut-être que je serai dans le plan, peut-être pas. Allez, let's go. Yes les boys, sacré up and down. Je voyais rien de là en bas où j'étais, il y a tellement de dénivelé ici. J'ai fait un petit pitch, bon il s'est mis sur le green, il me restait 7 mètres, 6 mètres, et je l'ai boité. Et donc birdie, est-ce que ça veut dire? Red numbers, that's right. Ça c'est Jay. Il s'appelle Jay, c'est un très joli coq. Et nous on joue là, par 3. Let's see it. Il y a des petits airs d'Augusta quand même, hein. Hein? Franchement. Putain que c'est beau! 169 dans le vent, faire 4. Easy, on peut rater à gauche, donc on va rater à gauche. Boys, elle est belle, elle est belle. Oh, we fucking like it. We fucking like it. Ok les boys, je suis pas loin là. Hein. Là, ça peut être back-to-back birdies. Hey, what it boys? Y'a quoi de mieux qu'un birdie? Back to back birdies. That's right. Ok les boys, petit topo, petit bilan. Ça fait 8 trous, je fais le bilan après 8 trous parce que après 8 trous on rentre au clubhouse en fait avant de ressortir. Bah écoute, c'est pas mal en fait, mine de rien. J'ai commencé avec 6 parts. Et là, je viens de faire birdie birdie. Donc, je me retrouve moins 2 après 8. Et j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4. J'ai fait 6. J'ai touché 6 greens sur les 8 trous. Donc, ça, c'est bien. C'est assez bien. Ça m'a donné 6 opportunités à birdie. Et j'en ai rentré 2, ce qui est pas mal, 33%. Voilà. Et, bah, maintenant, on va continuer sur le back 9, enfin le back 10, pardon, qui a les trous les plus beaux du parcours, à mon avis. Mais bon, putain, j'ai un groupe qui m'a laissé passer là, il est juste derrière. Je vais essayer de tracer. Allez, let's go. Par 4 avec des bunkers en plein milieu qui sont là pour choper les balles.
je peux pas passer le dernier. Je peux essayer de passer à gauche, mais c'est risqué hors limite à gauche. Sinon, il faut se poser là-bas avec un bois 3. Bon, on va quand même prendre driver, on va voir ce qui se passe. Il y a un arbre qu'on aperçoit à gauche, c'est lequel là? C'est le... celui-là, là. Si je peux passer au-dessus de ça, bon, c'est un peu risqué, ce qui est vraiment le hors limite, c'est juste à gauche de ça, mais comme je tape que des fades en ce moment, ça devrait me laisser en bonne position. On va essayer. Pas du tout engagé sur la frappe, j'ai fait un gros slice en l'air, elle a juste resté sur le rough de droite. Je pense que j'aurai un coup, c'est pas fameux, mais je suis pas mort. Ok, je suis là-haut, là, j'ai 117 au drapeau. C'est pas top, c'est tout en montée. On va jouer un petit fer 9 et see what happens. Écoute, elle a pas l'air mauvaise, à mon avis elle est green, hein. À mon avis on peut être pour birdie. Hey, 3 in a row. 3 in a row. Did someone say 3 birdies in a row? Let's try. Bon. Est-ce qu'on voit... Ouais, bah écoute, à mon avis j'aurais pas les 3 in a row parce que je suis loin. Hop, bouger un petit peu, comme ça on voit tout. On va voir le putt. De toute façon, là si je prends deux putts pour part, on take it, move on. Bon, ok, bah écoute, 2 putt par pour le 9. Alors, c'est pas pour me la péter, mais en fait, si, un peu quand même. Mais là, ça fait 9 trous bogey free avec 7 greens. Donc, j'en ai raté 2, mais j'ai fait des up and down, notamment au 1 avec une belle sortie du sable et au 3 en puttant en dehors du green. Tous les autres, j'ai eu les greens et j'ai rentré 2 birdies. Donc, moins 2 sur la carte, on reste dans le rouge. Red numbers, that's good. Mais il y a des trous difficiles qui arrivent. Là déjà on a un par 5, donc peut-être encore une opportunité, qui sait. Et, mais je suis bien content là. Attends, moins 2 après 9 trous, et pour une fois que je filme et je décide de faire un vlog, let's go. Ce trou, il est magique. Non mais regardez-moi un peu le truc quoi. Avec une rivière qui coupe le trou. Une fois, deux fois, trois fois. Donc il y a des petits îlots sur lesquels il faut se mettre. Et le green tout là-bas au fond. Déjà le drive, on va viser ce bunker à gauche. Et on va la fader légèrement. Faut pas être trop long. Alright, let's get ourselves in play. Let's go. Alright, baby fade. Demi-coup, baby fade. Faut pas être trop long. Allez, fade un tout petit peu plus. Allez. Merde. Pas assez fadé, c'est bunker. Donc on va devoir layup. C'est pas grave. Ah.
Bon, j'ai rien compris à ce qui s'est passé là. J'étais bien, j'étais posé. Il y a les deux gars de devant qui étaient sur le green, qui m'ont sifflé, qui m'ont fait signe de venir. Bon, bah, je me suis pressé, j'ai fait de la merde. Et dès que j'ai tapé, ils sont partis au trou suivant, quoi. What the fuck? C'est quoi ces conneries, sérieux, quoi? Enfin bref, résultat des courses, je suis là. Voilà. Bon, d'habitude, il y a de l'eau ici, mais bon, drapeau en montée, écoute, je peux peut-être mettre un club dessus, mais ça va être délicat, hein. Ok, hidden hope, hein. Bon, je suis sur le green, mais putain, c'était du boulot, ça. Hein. Ce qu'on voit. Ouais, allez. Moi, bon, j'ai quand même un peu de pour birdie avec tout ça, ce qui est un peu impressionnant, mais. Allez, on reprend. Ça aurait été un birdie d'anthologie. Ça aurait été un birdie que je méritais pas. Donc quelque part, je suis content avec le par. Franchement, je suis content avec le par. Par 3. Moi, je pars d'ici. Mais j'ai envie de vous montrer les back tees. Parce qu'ils sont quand même assez sympas. 185. Entre les arbres. Il est pas beau ce trou. Bon allez, moi je vais à Monty. Allez, encore un petit par en aigu. Bon, bah une fois de plus, le même groupe m'a laissé passer. Je me suis un petit peu pressé. J'ai envoyé une patate. Elle a traversé le fairway. Elle est dans les arbres, elle est dans la merde. Là, c'est peut-être la fin du bogey free run. On va voir.
Bon, bah, je suis un peu déçu là. J'ai pris un bogey débile. Je dois avouer, faire un vlog tout en passant un groupe, c'est assez compliqué. Bon, mon deuxième coup, c'était pas un coup très intelligent. J'aurais dû chipper out sur le fairway, essayer de mettre sur le green et prendre un putt peut-être deux. Le truc, c'est que si je sortais en chippant, je sortais en chippant vers les deux gars qui venaient de me laisser passer. Et je me voyais mal sortir là, poser la caméra, le trépied, tout ça et faire mon coup. Donc j'ai tenté le hero shot et je l'ai payé. Donc bon, je m'en sors avec un bogey, ce qui finalement, attends, j'ai bien fait bogey, hein. Un dans les arbres, deux je fais n'importe quoi, trois j'arrive à trouver un coup de green et quatre je fais un putt moyen mais je rentre un bon putt en cinq. Ok. Bon bah bogey, too bad, the bogey free streak finishes. Je suis toujours dans le rouge. Alors là on a un par 4, sans grand intérêt, c'est que de la montée.